Delphine. Delphine. Bon, on va s'asseoir par terre, mais est-ce que je vais réussir à me relever? Bonne question. Et bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le voir, dans mon salon. Car qui dit mois de décembre, dit coloriage de décembre, égale coloriage de Noël, donc forcément... Je pense que c'était quand même beaucoup mieux de faire cette petite Pâque devant mon sapin. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Il n'y a pas énormément de coloriage dans cette Pâque. Bon, en tout cas, j'en ai pas l'impression. Voilà. Alors, on va commencer avec forcément, hein, qui dit Noël dit Fairy Miracles de Clara Markova. Et à l'intérieur, j'en ai sélectionné 3. Qui sont celui-ci, le tout premier, qui est évidemment qui était déjà dans ma pack, je crois, du mois de novembre avec les petits lutins. Je trouve que ça fait tellement Noël que forcément on ne peut pas ne pas le mettre dans la pack du mois de décembre. Donc voici pour celui-ci. Ensuite, j'ai sélectionné cette illustration qui est absolument magnifique, je trouve, qui fait très Noël, avec les petits cadeaux juste en bas. Donc voilà, je pense qu'on peut faire quelque chose quand même de vraiment pas mal dans ce coloriage pour le mois de décembre. Et le troisième que j'ai sélectionné, il s'agit de cette chaleureuse petite maison. Franchement, ça fait rêver. On a envie de se retrouver dans cette maison à Noël. C'est juste trop mignon, quoi. Donc voilà pour le troisième dans le livre de Clara Markova. Voici pour celui-ci. Pour le deuxième livre, j'ai sélectionné le Seasons de Anna Carlson. Donc forcément, qui dit Seasons dit forcément qu'il y a la saison de Noël, enfin en tout cas de l'hiver. Et j'en ai sélectionné 2, dont le premier qui est celui-ci, donc avec ce magnifique petit renne. Toujours pareil, hein, on a envie de se retrouver dans la forêt avec lui. Donc voilà, je trouve que ça fait pour le coup très décembre, très hivernal. Donc même si, ok, on peut... Enfin voilà, décembre c'est encore l'automne, mais pour moi, voilà, ça annonce Noël, ça annonce forcément l'hiver. Donc voici pour le premier. Et le second, alors là, j'ai de l'espoir, clairement. Il s'agit de cette double page qui est absolument adorable. Forcément, en décembre, on prépare le sapin, donc on peut voir qu'il y a des branches de sapin et ces toutes petites souris qui sont là à l'intérieur et qui se baladent dedans, c'est juste adorable. Donc voilà pour ce coloriage de ma pack du mois de décembre. Voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai également un coloriage, je vous le montre quand même, dans le World Within World de Kirby Rosanne. Et à l'intérieur, j'en ai un seul, mais par contre, je sais que celui-ci sera fait. Parce qu'il est en duo avec, je crois que c'est Moineveau sur Instagram. Tic ! Donc, il s'agit de cette petite boule de Noël. Donc celui-ci, ça va être le premier que je vais attaquer pour le mois de décembre. Trop beau, quoi. Avec des rennes, avec des renards, etc. Et puis voilà, ça fait vraiment la petite boule de Noël. Donc celui-ci, ce sera le premier que je vais faire en décembre. Ensuite, je vais aller dans mon livre de mandala.
parce que j'ai mon coloriage mensuel à l'intérieur avec étoile colo passion. Ça a failli m'échapper. Et du coup, le coloriage que l'on a choisi pour le mois de décembre, évidemment, je ne vais pas le retrouver si il s'agit de celui-ci. Voilà, donc je trouve que ça fait pour le coup très Noël. On peut soit le prendre dans ce sens-là, soit dans ce sens-ci. Donc avec, là on peut imaginer, je sais pas, on peut imaginer tellement de choses. Donc voilà pour celui-ci. J'adore. Et j'ai trop d'idées pour ce coloriage, ça va être pas mal. Ensuite, dans ma pack, je vais aller... Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Non, je n'ai toujours pas fini le dessin. Sera-t-il fini un jour? Je ne pense pas. Donc je vais aller dans mon porte-vue pour mes PDF. Et il y a celui-ci forcément qui est dans ma pack. Parce qu'il est en duo avec ma douce Lily Scolo. Donc celui-ci sera réalisé au mois de décembre. Je sais, je vous ai dit que je ne prenais que deux duos pour le mois de décembre, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas, hein, quand on m'attire avec un coloriage si beau, je ne peux pas dire non, c'est pas possible. Donc voilà, pour celui-ci. Et ensuite, je vais aller dans le dernier, le petit chouchou adoré, donc le Fairy Touch of Magic de Clara Markova, donc son dernier livre si vous ne connaissiez pas. Et évidemment, la première chose que je souhaiterais réaliser, c'est évidemment la carte postale. Comment vous dire, je suis amoureuse de ces petits bonhommes de neige, ou je ne sais pas, oui c'est des bonhommes de neige, ça m'a l'air. Donc voilà, ils sont absolument adorables, trop mignons. Donc voilà, je vais réaliser la carte postale et évidemment avec le recto aussi, quoi. Enfin le verso. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur du livre, j'ai sélectionné dans ma pack donc cette page-ci. C'est pareil, je crois que je suis vraiment amoureuse de ces petits bonhommes, ils sont mais tellement mignons, voilà, je le trouve vraiment trop beau. Donc voilà, j'ai déjà une idée du fond, etc. Donc je me dis pourquoi pas réaliser celui-ci. Et ensuite, le deuxième qui est sélectionné dans ce livre, il s'agit de celui-ci. Donc pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il sera également en duo. Alors celui-ci, il est en duo avec Colo Pépite. Et magnifique, quoi. Magnifique. Forcément, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc je ne peux pas ne pas commencer de colo à l'intérieur. On va essayer de ne pas se foirer, hein, comme le précédent coloriage que j'ai réalisé dans un Clara Markova. Donc voilà, donc je suis très contente. Donc ça fait pas énormément de coloriage, je ne sais pas trop. Il y en a 2, 3, 4, 5, on va encore être à une dizaine de coloriages. 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme d'habitude. Et évidemment... Je ne peux pas ne pas dire. Hop, donc il y a également cette petite double page. Donc c'est le calendrier de l'Avent de Johanna. Est-ce que vous verrez bien? De Johanna Basford. Donc il est téléchargeable gratuitement sur son site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est sur sa page Instagram. Vous avez un petit highlight où elle propose justement de faire un swipe up pour aller télécharger le calendrier. Donc il est gratuit, hein, je le rappelle. Et vous avez donc les numéros, comme un calendrier de l'Avent, hein, tout simplement. Donc le numéro 1, je l'ai commencé. Donc j'en suis pas... si, je l'aime beaucoup, mais ça me perturbe en fait qu'il n'y ait pas de fond. Donc je sais pas, je vais essayer soit de faire des cases
comme ça je peux faire un petit fond à chaque, parce que là pour le coup ça fait tout nu, ça me perturbe un peu, donc je vais essayer de rattraper ça aujourd'hui. Et voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je suis désolée si la vidéo sort un petit peu tard aujourd'hui, j'ai dû travailler ce matin, donc voilà, on fait comme on peut. Donc voilà, et bien écoutez, je crois que c'est tout pour moi, donc comme d'habitude, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, et d'ici là, à la prochaine !